当个对了话，他当然些，可是困难了，他可是，可是说嘞，这些把都是叫啊叫啊，搞完那话是他，那是些话嘞。De t'expliquer brièvement dans certains cas donc les trois aspects de la, du processus de la mort, de l'état intermédiaire et de la renaissance. Toujours est-il qu'ainsi, donc en étant continuellement amené à renaître, à mourir, à renaître, à mourir, et donc tout au long donc, de ces existences que nous traversons, nous faisons l'expérience, nous éprouvons continuellement nous éprouvons toujours des expériences de la nature de la souffrance. Pardon. Pabala, Neva, Tungatazo, Tilani, Chijola, Chijola, Tungatazo, Tingdam, Roa Tingda Yoba Mahinde, Roa Chi, Chuni Simba, Tungati, Chibati, Jimmy Jess, Tungati, Roa Court, Tungatazo Chamboji Res, Tungatazo Chamboji, Telachan Sing Diores, Ching Dior Mazares, Roa Ted Tungat, Rotatan Mumi Vajres, Roa. 아리아데바 dans les quatre instances nous dit cet océan de souffrance dont les profondeurs sont insondables, tu y es ligoté, tu t'y trouves lié. Comment se fait-il que tu n'éprouves pas de peur, de crainte? Et donc, ce qu'il importe, ce à quoi il importe que nous réfléchissions, c'est si nous avons réellement une capacité de nous délier, donc de nous sortir, enfin, de ne plus être ligotés, en fait, dans un tel océan ou non, s'il y en a une possibilité de ne plus être lié ou non. Et de réfléchir, de s'interroger si la souffrance, donc au sens large, l'ensemble des souffrances que nous éprouvons, est-ce que la souffrance a une cause? Et si tant est qu'elle a une cause, est-ce qu'on a un moyen, en fait, de se débarrasser de cette cause? Oh, that's right. Et quand on dit que pas de papa, il y a Maris. Rata, tu n'y t'es venu. Il y a trop de choses, il y a Maris. Le Bouddha, donc, par rapport à ce point, était extrêmement clair. Il a dit, en ce qui concerne tes souffrances, je ne peux les laver telles l'on laverait une tache sur un linge. Je ne peux les extraire comme on enlèverait une écharde ou une épine. Je ne peux non plus transférer mes capacités, mes qualités, en fait, dans ton esprit, dans ta conscience. La seule chose que je peux faire, c'est t'indiquer, en fait, la nature des choses, la manière dont les choses sont, dont elles fonctionnent. Ce qu'il faut comprendre dans tout ce qu'il nous a indiqué, c'est que la souffrance a une cause, toute souffrance en fait a une origine, a une cause. Aucune souffrance ne se produit spontanément, on pourrait dire, c'est-à-dire vient à exister sans cause. Dieu l'a dit, Marwa. Je Et donc justement, si on regarde maintenant du côté des causes, quelles sont-elles? Les causes de la souffrance, ce sont les karmas et nos karmas et nos émotions perturbatrices. Donc,
les souffrances résultent directement en fait des karmas, c'est-à-dire de ces potentiels donc karmiques qui sont laissés sur notre courant de conscience par les actions que l'on a menées. Et ces karmas eux-mêmes donc, ont été menés sous l'emprise, sous le coup de nos émotions perturbatrices. Et parmi toutes nos émotions perturbatrices, donc en amont, en fait, se trouve l'ignorance. En d'autres termes, toutes les émotions perturbatrices, tous les facteurs qui perturbent notre esprit proviennent de l'ignorance. Le Bouddha, dans le Sutra du Plan de Riz, a ainsi indiqué ceci est en dépendance de cela, l'ignorance, en tout cas, en dépendance de l'ignorance se produisent les formations karmiques, en dépendance des formations karmiques se produit la conscience, sous-entendu sur laquelle sont déposées ces formations karmiques, en dépendance de cette conscience ensuite découlent les autres liens de production dépendante. L'ignorance, en fait, est ce qui nous empêche donc de percevoir les phénomènes de la manière dont ils existent. En fait, l'ignorance est le mode d'appréhension complètement contraire, complètement opposé à manière donc au fait de percevoir les phénomènes tels qu'ils existent, c'est-à-dire dénués d'une existence en soi, d'une existence intrinsèque. Et quels que soient les phénomènes, on dit l'ensemble des phénomènes, que ce soit les phénomènes intérieurs ou extérieurs. Quand on parle de l'ignorance, en fait, donc par ignorance ici, on entend l'ignorance fondamentale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la saisie du soi, donc littéralement la conception de soi. Et on parle, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la saisie du soi des phénomènes, ou la conception de soi des phénomènes, et la saisie du soi des personnes, ou la conception de soi des personnes. Il faut voir qu'en tibétain, qu'on dise le terme de soi, en fait, ou le terme donc même de je, de soi, ou de personne, donc d'individu, on fait référence à la même chose. Donc ces termes sont synonymes. Et pour ce qui est de s'entendre en fait sur ce qu'est le soi, donc la personne, l'individu, encore une fois, peu importe. Donc pour ce qui est le soi, il y a différentes écoles en fait ou différents courants philosophiques donc qui considèrent le soi donc de différentes façons. Une première différence en fait existe entre les courants philosophiques bouddhistes et les courants philosophiques non bouddhiques, en ce sens que les philosophes donc des courants philosophiques non bouddhiques considèrent que le soi est quelque chose de permanent, contrairement donc aux différents courants philosophiques bouddhiques qui tous s'accordent à penser que le soi est quelque chose qui est impermanent. Pour être même plus complet, donc la plupart des courants philosophiques non bouddhiques considèrent que le soi donc est permanent, c'est-à-dire qu'il ne vient pas exister en dépendance de causes et de conditions, donc il est permanent, il n'est pas produit, en d'autres termes. Le soi est unitaire, il n'est pas composé de parties.
Et il considère également que le soi est indépendant, en ce sens qu'il ne dépend pas d'autres facteurs que lui-même pour exister. Ce qui fait l'expérience donc des raies dans l'existence cyclique, c'est le soi, donc la personne, l'individu, encore une fois. Ce qui fait l'expérience de s'affranchir de l'existence cyclique, donc se libérer de l'existence cyclique, c'est aussi le soi, la personne, l'individu. Donc en fait, c'est ce phénomène dont il est question quand on cherche à savoir de quelle manière est-ce qu'il existe. Donc on vient de voir, donc permanent, unique, unitaire, indépendant, pour certains, c'est ce phénomène qui est le soi, qui erre dans l'existence cyclique ou qui s'en affranchit, que l'on appréhende. Et justement, dans la mesure où ce qui erre donc dans l'existence cyclique ou ce qui s'en affranchit, ce qui parvient au nirvana, ce qui revient à dire la même chose, c'est la personne. Dans la mesure où cela erre et se libère donc de l'existence cyclique, c'est quelque chose qui est impermanent, qui est soumis à des fluctuations. Les quatre écoles, les quatre grands courants philosophiques qui se sont développés donc, dans le bouddhisme trouvent toutes leurs assertions, en fait, ont développé en fait tous leurs assertions sur les sutras, les paroles du Bouddha. L'exemple donc retrouvé dans un sutra est celui d'un chariot, donc ou d'un attelage, peu importe, d'un chariot qui pourra être un chariot dépend de ses parties. Donc il est stipulé que le chariot vient à exister en fait comme désignation en fait sur la base du regroupement de ses parties. Le chariot n'existe qu'en tant que le regroupement de ses parties. Et il en est de même de la personne, donc ou du soi, qui existe en dépendance donc de ces éléments constitutifs. Donc tous les courants philosophiques bouddhiques donc s'accordent sur le fait que le soi existe de façon permanente et qu'il existe en dépendance. Maintenant, c'est la manière, donc c'est le type de cette existence en dépendance qui va être perçu différemment selon les courants. Les premières écoles, donc les écoles des Vaibhashika et des Sotrandika, considèrent en fait que le soi, donc la personne, est le regroupement de ces agrégats, c'est-à-dire du corps et de l'esprit. De façon élémentaire. Alors, Tunda, Roa, ta casa sur le Jabacheni, Roa, ta casa sur Yang, Gatana, Roa, Yang, Lendezo, mais Roa, Mera Tavituna, sur ta Jabacabamo, Tala, ta caratouzana, Roa, casa sur la terrace, top, tozum de resta, Roa, Tiki, casa de la, Mama, et en esquire, Mama. Mm-hmm.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque école, le soi existe, ou chaque courant philosophique, en fait, le soi, donc la personne, est quelque chose qui existe, ça c'est indiscutable. Maintenant, il s'agit de savoir comment est-ce que le soi ou la personne existe véritablement, existe réellement. Et chacune prend garde, en fait, de ne pas réfuter, en fait, trop d'éléments, trop d'arguments, faute de tomber, en fait, dans l'extrême du nihilisme et de nier, finalement, complètement l'existence du soi, ce qui contredirait l'évidence. Donc, autant les premières écoles considèrent que lorsqu'elles cherchent comment existe le soi ou la personne, elles estiment que le soi existe comme la réunion, en fait, le regroupement de ces agrégats, comme étant en fait le regroupement de ces agrégats. Autant les écoles ensuite supérieures, comme celle par exemple des Chitamatra, de l'esprit seul, considèrent qu'en cherchant le soi, donc sur la base des agrégats, ces philosophes, donc ces Chitamatra, estiment que le soi ou la personne se trouve finalement, en fin d'examen d'analyse, se trouve sur la base de la conscience base de tout, l'alaya vijnana, la conscience base de tout. Lorsque le courant philosophique dans la vue est un petit peu plus élevé, donc celui des autonomes, des Madhyamika Svatantrika, examine comment existe le soi de leur côté, comment existe la personne, en le cherchant là encore donc sur la base des agrégats. Ils considèrent que finalement le soi, la personne, existe sur la base de la conscience mentale, donc d'un aspect simplement des agrégats. Et lorsque l'on envisage ensuite l'approche donc, du courant philosophique dont la vue est la plus aboutie, celui des conséquentialistes, des Madhyamika Prasangika, ceux-ci considèrent qu'en cherchant en fait, le soi ou la personne sur la base des agrégats, ils ne trouvent finalement comme étant recevable, comme base du soi ou de la personne, que la désignation en fait, qui est posée, qui est imputée, littéralement, qui est désignée, en fait, la dénomination qui est désignée sur la base, la simple dénomination désignée ou imputée sur la base des agrégats. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure pour le resituer dans le contexte donc, de ce que j'expliquais, c'est-à-dire savoir ce qui est à l'origine de l'errance dans l'existence cyclique, ce qui est la cause donc, de l'ensemble des émotions perturbatrices, c'est cette fameuse ignorance fondamentale. Et je l'ai envisagé donc, sous l'angle des conséquentialistes, c'est-à-dire de ces Madhyamika Prasangika, dont la vue est la plus aboutie, et qui considèrent que par ignorance, ils entendent en fait cette surimposition, en fait, on peut parler de superposition en fait, à la réalité, d'une existence intrinsèque, d'une existence en soi, là où elle n'existe pas, donc sur la base du soi ou de la personne. Ou de n'importe quel autre phénomène, donc interne ou externe, peu importe. Et c'est, on comprend bien qu'en fonction donc, de l'objet qui sera appréhendé, donc, qui sera conçu, donc, on va avoir deux types d'ignorance. Une ignorance donc, qui s'élève en relation, c'est-à-dire une surimposition qui est faite en relation avec le soi qui est l'individu, et une superimposition donc, qui est faite en relation avec les phénomènes.
Et on parle donc de, par ailleurs donc de deux types d'ignorance. Donc celle, on parle de l'ignorance en fait qui se méprend, donc qui est confuse quant à l'incéité, c'est-à-dire au mode d'existence des phénomènes, et qui comprend en fait ces deux types d'ignorance dont on vient de parler. Et on parle d'un autre type d'ignorance qui est une ignorance qui se méprend, qui est confuse par rapport au principe de causalité. Top. En dépendance de l'ignorance, donc il se méprend quant au principe de causalité, est accumulé des karmas non méritoires, et en dépendance de l'ignorance qui se méprend quant à l'incité, c'est-à-dire quant au mode d'existence véritable des phénomènes, donc au sens large, est accumulé un karma méritoire ou un karma non fluctuant. Il faut savoir que ces karmas donc non méritoires sont à l'origine de renaissance dans des états infortunés, les karmas méritoires à l'origine de renaissance dans des états fortunés, et les karmas non fluctuants à l'origine de renaissance de ce qu'on appelle les mondes supérieurs, le monde de la forme, les mondes de la forme et du sans forme. Donc, comme cela a été envisagé dans la citation précédente du Sutra du Flanc de Riz, donc l'ignorance est à cause de l'ignorance, donc sont créées ce qu'on appelle les formations karmiques ici, c'est-à-dire des karmas, tout simplement, lesquels karmas laissent leur potentiel, leur empreinte sur la conscience, le courant de conscience. Et donc pour l'illustrer, pour le rendre plus concret, par exemple, on s'abstient volontairement de ne pas tuer, par exemple. Donc on pratique ce qu'on appelle ici cette éthique, donc de ne pas tuer, par exemple. Cette action est une action, un karma méritoire, qu'on dit littéralement, ou vertueux, mais un karma ici méritoire. Donc ça, c'est une action, le fait de volontairement donc ne pas tuer. Ce potentiel, cette action donc laisse un potentiel, une empreinte qui est placée sur notre courant de conscience. Et en supposant, par exemple, qu'au moment de notre mort, donc ce soit cette empreinte-là, cette empreinte, donc ce potentiel karmique qui soit activé, il va être, par exemple, activé par ces facteurs activateurs que sont ce qu'on appelle la soif, littéralement, ou l'appropriation, et la saisie.
et développer en fait ce potentiel mûri, donc littéralement par ces facteurs activateurs, va être sur le point de devenir, donc on dit littéralement, et quand on envisage donc les 12 liens de production dépendance, on parle de ce lien comme étant le lien du devenir, c'est-à-dire ce potentiel karmique, donc qui est le fait de ne pas avoir tué, donc à un moment donné, va être porté à pleine maturation et va être sur le point de devenir, c'est-à-dire donner son résultat, qui est une renaissance humaine. Et donc si en l'occurrence donc si ce devenir ici ou ce potentiel donc qui a mûri est sur le point de devenir une existence humaine, donc le lien suivant est de donner enfin de produire en fait les autres liens de production dépendante que sont en fait le nom, ce qu'on appelle le nom et la forme, les 12 pardon les 6 sphères, le contact, la sensation et ensuite la naissance, la vieillesse et la mort. Et donc c'est ainsi en fait que l'on erre, donc c'est de cette manière-là que l'on erre à travers l'existence cyclique. Donc, quand on erre en fait à travers l'existence cyclique, donc dès lors que l'on meurt, il n'y a que deux issues possibles. Tant que l'on est encore assujetti à l'existence cyclique, soit on prend renaissance dans un état fortuné, soit dans un état d'existence infortuné. Pardon, parce que la formulation tibétaine c'est joli, que je la reprends en disant il n'y a que deux issues possibles, n'est-ce pas? Et bon, je suis un peu de mal à répondre. Et lorsque l'on regarde maintenant donc, de façon plus synthétique finalement l'ensemble de ce cycle des existences, si on regarde les différentes classes d'êtres donc, qui sont assujetties à cette existence cyclique, chacune rencontre différents types de souffrances. Donc on va parler de souffrances qui sont générales à l'existence cyclique et on parlera de souffrances qui sont plus spécifiques à chaque catégorie d'êtres. Donc on va rencontrer notamment donc comme souffrance générale les souffrances liées à l'incertitude, en fait au manque de certitude tout simplement, les souffrances de l'insatisfaction, les souffrances de devoir redescendre ou chuter dès lors que l'on s'est élevé d'une manière ou d'une autre, les souffrances de devoir prendre naissance encore et encore, de devoir mourir encore et encore ou reprendre un corps encore et encore. Et quand on regarde ne serait-ce que la première, la souffrance de l'incertitude, en fait, c'est un aspect qui va toucher différents domaines, que ce soit les relations que nous avons les uns avec les autres, que nous tissons les uns avec les autres. Il n'y a pas du tout de certitude dans les relations que nous avons. C'est quelque chose d'extrêmement fluctuant, d'extrêmement labile. De même, il n'y a pas du tout de certitude quant à la condition matérielle qui est la nôtre. Nous pouvons être tantôt extrêmement aisés, fortunés, et bientôt nous trouver complètement démunis, ou inversement. Il y a également donc cette souffrance de l'insatisfaction qui fait qu'on n'est jamais complètement rassasié. On nous en faut toujours un peu plus, toujours davantage. Qui
Il y a la souffrance liée au fait, donc, tant que l'on est assujetti à cette existence cyclique, de devoir être conçu, on dit littéralement, encore et encore, donc, de devoir nécessairement donc, reprendre naissance, donc, puis non de mourir, de repasser par l'état intermédiaire, de reprendre naissance, et ainsi de suite. Donc c'est simplement un exemple, tout ça pour revenir à ce que disait Ayadeva, en fait, que les souffrances peuvent être réellement comparées, en fait, à un océan, donc sont illimitées. Les souffrances, on peut les envisager également sous une autre forme, ou la souffrance, on peut l'envisager sous la forme de, sous l'aspect de trois catégories, et qui couvrent l'ensemble des souffrances qui existent. On parlera alors de la souffrance de la souffrance, de la souffrance du changement et de la souffrance omnipénétrante. La première, donc la souffrance de la souffrance, c'est quelque chose que nous connaissons facilement, c'est ce que nous appelons souffrance à proprement parler, donc expérience pénible, difficile, etc. Tout ça est quelque chose que nous pouvons identifier, reconnaître facilement. La souffrance du changement, par contre, nous est beaucoup plus inconnue, en ce sens que c'est ce que nous appelons plaisir ou bien-être, en fait. Or, on considère que c'est de la nature de la souffrance, que c'est de la nature de la souffrance. Donc on considère que c'est de la nature de la souffrance dans la mesure où c'est amené à disparaître, c'est-à-dire cette expérience de plaisir ou de bien-être donc ne peut pas perdurer indéfiniment. Et enfin, il y a la souffrance omnipénétrante qui consiste en le simple fait donc de posséder ces agrégats, enfin nos agrégats, nos agrégats que nous sommes appropriés et qui sont contaminés. Cette souffrance est pour nous quelque part la plus pernicieuse, dans ce sens que c'est en dépendance de cette souffrance, c'est-à-dire du fait de posséder de tels agrégats, que nous pouvons faire l'expérience des autres types de souffrances, que ce soit la souffrance du changement ou la souffrance de la souffrance, et créer par ailleurs donc de nouvelles causes de souffrance. Donc, ce qui est à l'origine, en fait, donc de toutes ces souffrances telles qu'on vient de les décrire maintenant de façon exhaustive, encore une fois, c'est l'ignorance. Pas n'importe quel type d'ignorance, cette ignorance qui conçoit donc abusivement un soi. Comme existant en soi, c'est-à-dire soi comme existant de son propre côté, comme existant de manière intrinsèque. Et ce qui va s'opposer à cette saisie ou à cette conception, c'est au contraire la perception en fait, de l'absence d'existence en soi ou l'absence d'existence intrinsèque du soi, soit des personnes ou des phénomènes. Donc, Donc, pour formuler brièvement, j'ai épuisé, on va dire, grosso modo, ce que je voulais vous dire pour ce soir. Il semble qu'il y ait pas mal de questions. Donc, il y en a pas mal qui sont remontées ici, jusqu'ici, sur la table. On va prendre quelques questions. Parce que si on rentre vraiment dans les souffrances de l'existence cyclique, on n'a pas fini à 5 heures. Puisqu'il y a un lien d'interdépendance entre le cerveau et la conscience, qu'advient-il de la conscience ou de ce lien interdépendant dans le cas d'altération du cerveau, par exemple quand il y a un traumatisme crânien, un accident cérébral, etc.
Donc pour expliquer ce lien, il faut partir du canal central, en fait, au centre duquel se trouve cette roue du cœur, qui est elle-même constituée donc de 8 rayons. Ces 8 rayons ensuite donc vont s'étendre en fait ou se ramifier donc dans l'ensemble du corps pour donner naissance donc aux notamment enfin aux 72 000 canaux et parmi eux donc il y a des canaux qui s'élèvent vers la partie supérieure et donc ils sont en relation en fait avec le cerveau en fait qui sont directement étroitement liés au cerveau de sorte que lorsque se passe un traumatisme donc de quelque nature que ce soit donc au niveau du cerveau en fait il va y avoir une modification en fait, de la circulation des vents dans les canaux en relation avec cette zone qui va donc de fait affecter la conscience. En tout cas, enfin, je pense que ça fonctionne comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est autant il est clair que la conscience donc, ne se résume pas simplement au cerveau, autant il y a une relation indiscutable entre l'un et l'autre. Et par exemple, on voit très bien qu'un traumatisme crânien ou autre, certaines affections en tout cas du cerveau peuvent entraîner des pertes de connaissances, donc tout simplement déjà. Le processus de la mort est-il un processus solitaire ou peut-il être accompagné jusqu'à un certain point donc par des vivants enfin, j'imagine les gens qui accompagnent la personne en train de mourir et ensuite que se passe-t-il Et dans certaines traditions, il est dit qu'une fois mort, les êtres chers, les parents, amis décédés, etc., donc parents, amis préalablement décédés, viennent accueillir donc, la personne nouvellement défunte. Qu'en est-il Sosu kanesti shiba shitu tsamba pena sosu yeyon zashe yon sikerwa. Orwa. Chisan zashe sosu la kanesti jopa cheki en dobayorwa. Orwa. Sosu kanesti chirim sosu chirim rwa chitak nankitak rwa peche di yaru joyela so jabo tante mento yaru joyela konsu kanesti jopa chetu kerebes rwa eni jimpak chirim kat Quand je suis
en fait, les personnes donc, qui accompagnent éventuellement donc, une personne en train de mourir peuvent être présentes et l'aider, on va dire, directement jusqu'en fait, simplement à la première dissolution, c'est-à-dire à la dissolution de l'agrégat de la forme. Parce qu'à partir de là, la personne perd... Je pense en fait que c'est tout au début en fait des dissolutions jusqu'à la première dissolution, c'est-à-dire jusqu'à la dissolution complète de l'agrégat de la forme. Une personne extérieure en fait peut aider en fait ou influer éventuellement favorablement sur la personne en train de mourir, parce qu'ensuite les consciences deviennent de moins en moins opérationnelles. La personne ne va pas voir, ne va plus entendre, etc. Donc la conscience devient dit simplement neutre, simplement à ce moment-là. Elle se place dans une disposition simplement neutre et une personne extérieure ne peut plus influer en fait dessus. Eni kanati chulu kache karesa ki yorese na mi kanati jone chawa mi jone so so ngoma ki zache jomba ina chawa so so jone zache shamba chawa so so la kanati ngolen che ki yorese chawa chawa tele ziki yorwa chawa ni kran kran de na ni popola jomba chawa chawa na kanati situ chawa ni popola le shows la chawa chawa la kanati ngolen che ki yorwa chawa tele ziki yorwa Je suis un peu plus de temps. Passez-vous-y. Donc, c'était pour la deuxième partie de la question. Donc, qu'une fois mort, les êtres chers viennent nous accueillir dans certaines traditions. Qu'est-ce qu'il en était? Galadi, dans le bouddhisme, en fait, c'est pas particulièrement évoqué. Enfin, c'est pas ça qui est évoqué, en fait. Je pense pas que cela... se produisent. Par contre, ce qui est décrit, c'est que l'être, une fois mort, tant qu'il est dans l'état intermédiaire, donc, peut, en fait, pas nécessairement, mais peut chercher en fait, à communiquer en fait, ou à entrer en contact avec les êtres qu'il vient de quitter, pour la bonne raison que quelquefois, il n'a pas conscience en fait, qu'il est mort. Et on dit en fait, que c'est quand il, par exemple, passe devant un miroir qu'il ne voit pas de forme se refléter, ou au-dessus de l'eau qu'il ne voit pas de forme se refléter, ou quand il essaie, par exemple, pour dire d'enfiler ses chaussures, qu'il ne voit pas rien remplir en fait, les chaussures, en fait, dans les chaussures, qu'il réalise en fait, que quelque chose est différent. Quand il parle aux êtres qui étaient, ses proches, en fait, que ceux-ci, donc, ne le voyant pas, ne l'entendant pas, évidemment, ne lui répondent pas, qu'il réalise cela. Mais c'est tout. Enfin, ce n'est pas évoqué en fait que des êtres donc précédemment décédés donc viennent entrer ensuite en relation avec cet être qui vient de mourir. Le bouddhisme préconise l'incinération plutôt que l'inhumation. Pour quelles raisons et quelles en sont les différences? Tendez-vous à une autre,
나도 별로 이나 저다 카카 누가 수수 카카 카카 요아래 담에다 와 나도 별로 이나야 자도 잘라대야다 들으고도 요로 잘라대야 잘라대야 내가 줄라 냐라대야다 들으고도 요아래 카드 품보디 집었다면서 En fait, à ma connaissance, il n'y a pas. Enfin, le bouddhisme préconise pas spécialement, en fait, l'inhumation plutôt, l'incinération plutôt que l'inhumation. En fait, il n'y a pas, du point de vue du bouddhisme, ça fait pas vraiment de différence. Simplement des aspects culturels. Ce sens que, par exemple, au Tibet, dans le passé, même la tradition voulait que même on fasse offrande, en fait, de son corps, on fasse don de son corps une fois mort, et donc qu'il soit porté donc sur des sites élevés sur lesquels les vautours, enfin, étaient donnés en pâture en fait aux vautours, ou alors en pâture aux poissons, donc jetés dans des rivières ou dans des fleuves. Donc c'était pour faire acte de générosité, donc de ce qui restait de soi en quelque sorte. Mais il n'y a pas de différence d'un point de vue bouddhique entre ces deux coutumes, l'incinération et l'inhumation. Parce que parce qu'en fait, d'un point de vue bouddhique, une fois que la conscience en fait a quitté le corps, en fait, l'agrégat de la forme donc il reste, enfin le corps, c'est quelque chose qui est strictement, enfin qui est devenu complètement inutile, en fait, qui sert plus à rien. Donc de ce point de vue-là, peu importe, on pourrait dire ce qu'il advient de lui. Et justement, c'était le propos en fait de faire don en fait donc de ce corps pour qu'il puisse être au moins bénéfique donc aux vautours, aux oiseaux, certains donnaient donc souhaitaient que leur corps soit mis dans une rivière ou dans un fleuve donc pour les poissons, voilà. Il y avait simplement cette exception que lorsque des gens avaient contracté donc des maladies, certaines maladies, des maladies probablement contagieuses, en fait, plutôt que de les donner en pâture donc aux animaux et donc d'infecter donc les animaux, en fait, dans ces cas-là, effectivement, ils enterraient le corps. Par contre, là, c'était différent. Mais ça, c'est clair, c'est simplement des différences culturelles, en fait, qui n'ont rien à voir avec le bouddhisme en soi, quoi. Alors, il y avait une question sur... J'ai perdu. Comment le processus de réincarnation se passe quand il s'agit d'une fécondation in vitro ou faite par une autre manipulation ? Pama ki kane kowa kane ti kuchak kane ti shola kane tungi yorowa eni chedam nalula kane gonga sugi yorowa eni gonga ama punu nalula shagi yorowa chesan tenri yonwa ina kirewa kane ti namshi ki ninsam joyera kane ti kanri doki yores ana towa kanri sin towa pama la nyuwa yores pa ruwa to yona pama nika ki kane ti chak tan kowa tum et ni quand est chadam dans l'eau là quand est ni ka djdc gongas tu vois quand est dit quand est gongas tu vois genki koa mixe ki koa ni ka djd koas tu vois tu gonga yongi tu vois et ni gonga dit quand est dit jema ama ki punu dans l'eau djugi tu vois aussi ne corto bien que tu vois parce que ama pugu corto que tu vois il ne pugu se tu que tu vois pas l'ennemi tu vois quand tu te sens là qui est tu vois c'est samedi chadam dans l'eau djugi tu vois Gonga, Chagiri, Gonga, can it Ama Punun or Chagira? Chandi Tijira, can it Ama Puku, can it Corne, Pukuta, and Kigir? Chesan can it Ninsam, Katu Jorki Yuri, Tanta, Namshi, Katu, can it Zugi Yoro? Nandita Paje, Konga, the Ming Buddha, Konga, Joki Yoro. Namshi, Konga,
Dans ce cas, en fait, je pense que la conscience, en fait, donc de l'être de l'intermédiaire, ou la conception, en d'autres termes, a lieu au moment donc de la. Dis pas de la fécondation, mais en fait de la au moment où l'œuf en fait est formé en fait dans l'éprouvette, enfin dans le petit tube en fait, voilà, formé comme ça. Oui. Donc c'est au moment en fait de la fécondation, c'est-à-dire quand l'œuf est formé, parce qu'après on va réimplanter dans l'utérus de la mère plusieurs œufs, et donc en fait c'est au moment où l'œuf est formé, à la rencontre des deux cellules sexuelles, au moment où l'œuf est formé, que la conscience, donc je pense également que la conscience pénètre l'œuf à ce moment-là. Et ben c'est bien la question. Chetsan kan ate acha sa gerer wa karis na kashi han san gerer wa tan de yoma ina karis na kasan kan ate acha na na shin yon wa wa tan de kashi kan ate so gerer wa goma su la sha gerer wa goma sone ama ama puno na la kan ka jugi maro wa chan te la ina tan de kan ate nyar tu ga ina kon su chan lok la sha gerer wa chamo chan lok pe chamo na la sha gerer wa eni kashi kan de lokashi sha gerer wa wa eni chesan tan de yoma ina wa quand est-ce que tu dis quand est-ce un namché quand est-ce du boyina tu vois quand est-ce c'est un genre genre yoro wa bon attention tu vois tu vois tu sens quand les yon qui reste tu vois zéro tiens t'as tout comme yon qui reste tu vois c'est un comme qui l'a dit non mais tu veux n'importe quand le tu le tombe de la chambre là non mais c'est là hein quand pas Dei kanete siu samare kare sa kande kabie ke chetu gun jimpo nyar tubie ke chetu kanete tagaran chegero wa wa ka technique yo yon segero wa di kanga de yon segero wa il est chetan kabie ke chetu. C'est difficile de cela répondre. C'est difficile en fait. Parce que donc l'idée c'était ça, c'est que c'est difficile parce qu'effectivement si on considère donc que la conscience donc est à pénétrer en fait ces deux cellules au moment de la fécondation, au moment où l'œuf s'est formé, effectivement donc il y a des consciences dans ces œufs qui sont congelées donc qui font l'expérience de ce qui pourrait être analogue aux enfers froids. On ne dit pas que ce sont des enfers froids, mais voilà concrètement c'est ça. Mais c'est difficile de répondre de façon définitive à ça, voilà, de cette manière là, voilà. Voilà. Et puisque ça, c'est un des fruits des progrès médicaux, bah, les scientifiques, devraient se charger de regarder ce qu'il en est, en fait, d'examiner un peu plus en profondeur. Est-ce que Geshe-la peut réexpliquer le corps de rêve ? Je croyais qu'un rêve était une image mentale générée par le cerveau, comme un projecteur permet de visionner un film, j'ai cru comprendre qu'il y avait un corps mental. Tenten sem jamin jan nyon ki yoro wa. Yoro wa. Inete tu, so se kan estu temo ta yen an shin, se wa. Yoro wa. Temo ta wa ina, je karbo yoro wa. Eni je karbo kan la, kan e jamin jan nyon ki yoro wa. Yoro wa. Che san di, kuran tanta wadu, kan e tenre hako son, se wa. Ine gen tanta di, te sungu la, kan e tiri minaja o bardo ki si. Yoro wa. Son tut sampa. Milan kapsu, yan. Yiki lu, yan. Yoro wa. Yoro wa. Yoro wa. Son bar wa. Je sens des milam qui lu, comme ça qui aurait quand il a mis. Il n'est des yiki lu yon qui aurait. Je sens moyen, quand j'ai ce joke douce, je vois. Milam qui lu. Milam qui lu, yon aurait. Lui dit, Pénaroa, Milam là, trop de temps, j'ai dit toi.
chungla chunga di milamla. Yino chungla chungi duga, milamla. Chwa, nubde chagi duga, khula sugubunji duga, sugubunji. Chwa, chunga milam nubde chagi dala. Chwa, sugubunji yuare, lung 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 yuji yuare. Karimpane. Ah. Karimpane. Ate teme na tini wana, milam sugubu duga. Yine ditante yumaru. Ah. Nansul lola sa chuchok tanji maru. Kogo. Lola, Milam Corolla soon, you are Milam Giro, Sudi, Tola Togur, Chilla Togur, and the Kurimila Kay, you are Biti, Milam Giti. Go soon, you are a motto. Roa Fumu de Danyan de Toa. Milam de Chilla Togua, Casagala. Milam Sudi. Fumu knew what the attorney, Casagal Togure. Donc, Ganla dit que c'est, du point de vue du bouddhisme, en tout cas, évident en fait, qu'il y ait un support de rêve, donc on peut appeler comme une forme de rêve, enfin, forme au sens de corps, en fait. Hein. Pas nécessairement le mot de corps de rêve qui est utilisé, mais un aspect au sens silhouette, en fait, de rêve. Et qui soit en fait, qui s'apparente en fait à un corps mental et qui soit un corps devant en fait, comme on voit en fait que la conscience en fait est toujours indissociée en fait, indissociable devant en fait, de l'air ou de l'énergie, donc peu importe. Il y a en fait une manifestation donc d'un corps devant qui se déplace, qui va, qui vient, qui rencontre les uns les autres, qui discute, etc. Par exemple, lorsque nous sommes profondément endormis, donc notre corps est allongé, donc sur un lit par exemple, et nous mettons à rêver. Nous rêvons par exemple que nous allons faire des courses, nous nous trouvons quelque part, et à ce moment-là, donc ce corps, enfin cet aspect de rêve, donc corps entre guillemets, donc cet aspect de rêve, où se trouve-t-il ? Dans le corps, dans notre corps, donc allongé sur le lit, ou se trouve-t-il au marché ou dans le magasin? Et en fait, donc ce corps, cet aspect, donc cet aspect de rêve se trouve donc là où va la conscience. Donc, il va se trouver dans différents lieux, il va échanger avec différentes personnes, par exemple. Cet aspect de rêve, ou ce entre guillemets donc corps de rêve, ne reste pas, pour dire, planté là avec notre corps allongé dans notre lit. En fait, c'est un aspect distinct en fait de cet agrégat de la forme qui est là dans notre corps en fait actuel. Mari,
Coran, quand on a dit 1000 ans, on a dit que tu peux aller sans parole, tu peux l'avouer. Dit que tu es là, quand on entend grand mille de Yonida, on a dit souk, mixel, souk, t'as dit, t'as dit, yo maro. Oh, yo maro, yo maro. Mille ans de tête qui tu m'as dit, mille ans de sous tête qui tu m'as dit, ça m'a dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, Non, du point de vue du bouddhisme, donc c'est indiscutable. En fait, il y a un aspect en fait de rêve, donc distinct de l'agrégat de la forme, donc qui est celui en fait du rêveur. En fait, c'est différent que d'être là à imaginer plein de choses, à penser à des choses qu'on va faire demain, des choses qu'on a faites hier, etc., qui sont tout ça elles de l'ordre de la projection mentale et qui ne nécessitent pas donc un corps distinct. En fait, un aspect distinct pour penser à ça. Alors, ensuite, c'est Geshe-la parler d'un désir très puissant lors de l'état intermédiaire de la conscience de retrouver un corps. Pourrait-il nous dire d'où vient profondément ce désir ? Et est-il de nature positive ou négative ? Bardo kapsu, chawa. Bardo wa ina, chawa. Quand j'ai dit Bardo wa tsuo kare serki yore sena, kene zelde ki yore wa. Kene zelde ki yore wa. Kesa, kene, kene. Kene zelde ki yore wa, chawa. Et ni, j'ai senti kene, quand j'ai dit jaye, doba shuk shembo yore wa. Yore wa. J'ai senti doba di kane yonki yore sera wa, segedu. Kare chene, quand j'ai dit chisar inji minji, quand j'ai dit keo lango ki yore. Doba insan, je vois. Doba di kane yon ki yore, je vois. Et ni doba di ino. Doba di, quand j'ai dit gewa inaja, mi gewa inaja. Je n'en pas dit naga la roha, pas dit naga la tunga mambo ju yore. Tunga. Pas dit koran la, tunga mambo tunga. Ah, pas dit la. Quand on est là, Et ni, tu sens quand est-ce que deux bâtés, quand est-ce que gewaïna, mi gewaïna, tu vois? C'est pas dire, ouais. Deux bâtés là. C'est pas dire, voilà. Deux bâtés, gewaïna, mi gewaïna, c'est à dire, tu sais, deux bâtés, il y aura. Tu sais, gewaïna, mi gewaïna, c'est à dire, tu m'as dit. Là. Pour ce qui est donc de cet être donc dans l'état intermédiaire, en fait, il faut avoir conscience que nombre d'expériences en fait qui sont faites dans cet état intermédiaire sont extrêmement déplaisantes en fait. En particulier donc pour tous les êtres qui prennent renaissance dans des états infortunés, c'est des expériences voire extrêmement pénibles, extrêmement douloureuses, comme des sensations donc d'être enseveli dans. C'est, tout ça c'est de l'ordre des perceptions, de ce qui surgit en fait à l'esprit. C'est des
perception donc d'être enseveli par des blocs ou de pierres ou par des montagnes ou d'être submergé par de l'eau, etc., poussé par du vent, enfin, etc. Donc c'est loin d'être très agréable. Même quelqu'un, un être qui s'apprête à prendre une renaissance en tant qu'être humain, fait également des expériences qui ne sont pas nécessairement plaisantes. Donc on peut imaginer qu'il a aussi envie d'en finir avec ça. Ceci dit, ce désir peut également provenir probablement de cette soif qui a activé donc ce dernier potentiel karmique, donc qui a mûri et était à l'origine, qui va être à l'origine de la renaissance, et cette soif en fait de renaître, cette soif de perdurer en quelque sorte. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, qu'on puisse se placer de cette, enfin voilà, qu'on puisse la qualifier ou de positive ou de négative. Alors après, je vois deux questions en fait dans celle-là. Est-ce que Geshe-la pourrait donner son avis sur le Bardo Todol et nous donner son point de vue sur l'affirmation qui est souvent répétée, entre guillemets, ce que tu vois est une projection de ton propre esprit. Donc je vois ça deux choses distinctes. Quand Simplement pour être bref sur le Bardo Todol, je dirais simplement que parmi les différentes sections, ou les différents points abordés, sur certains, peut-être il y a matière à discuter, c'est pas tout à fait certain, tout à fait juste. Par contre, la plupart d'entre eux, donc, sont des points évoqués, en fait, sont très, très intéressants. Pour ce qui est d'ailleurs donc de ce Bardo Todol, je pense que notamment certaines sections en fait s'appliquent pas à tout un chacun. Il faut être encore réaliste là-dessus. S'appliquent en fait à des yogis, à des pratiquants extrêmement avancés en fait, puisque si on lit en fait certains passages, il est dit que dans cet état intermédiaire, donc sous-entendu lorsqu'un pratiquant est en mesure ainsi de les percevoir, des déités tutélaires, donc qu'elles revêtent des aspects paisibles, qu'elles revêtent des
aspects courroucés, en fait, se manifestent, donc apparaissent à l'esprit de cet être qui est dans l'état intermédiaire, et en quelque sorte sont là pour le rassurer et lui expliquer en fait qu'il enfin, n'a pas lieu de s'inquiéter, qu'il vient donc de mourir, qu'il est dans l'état intermédiaire, etc. Donc enfin, lui explique la situation, en fait, l'aide à reconnaître la situation dans laquelle il se trouve. Mais c'est là où il faut donc être réaliste. Je pense pas que dans la plupart des cas, on soit en mesure d'arriver à reconnaître ces déités qui nous exposent, enfin nous expliquent la situation. Ça c'est réservé donc à des pratiquants qui ont une grande maîtrise déjà de leur esprit. Mais encore une fois, j'ai mis des réserves, donc encore une fois, sur certaines sections en fait, du bar de Todol. Yagle Kareina, je vois Nawa Yagle Kare Yomaina, sont ceux même qui se dirigent. Jetson, Tendje Kane Lona, Tendje Kane Koaina, Kandes Hakobo qui reste. Nawa Kareina, ça rend similaire, c'est moi qui t'aime. Roi, 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 il a été comme ça. En fait, quand on entend, donc c'était la deuxième partie de la question, ce que tu vois est une projection de ton esprit, donc comment comprendre cela ? Quand en fait on dit l'esprit est le précurseur de toute chose, en fait, c'est que tout ce que l'on va éprouver, expérimenter, percevoir, tout cela provient de la disposition en fait d'esprit dans lequel on se trouve, en fait, donc de la motivation, donc vertueuse ou non vertueuse, qui nous anime. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre quand on dit l'esprit le précurseur ou oui, le précurseur à l'origine en fait de toute chose, dans ce sens que si l'esprit est dans une disposition vertueuse, donc si l'instant de conscience donc est vertueux et donc positif, tout ce qui va être effectué avec un tel esprit, avec un tel état d'esprit, le sera aussi. Qu'il s'agisse de parler, qu'il s'agisse de travailler, de faire telle ou telle action, peu importe, tout sera de la même nature. Alors,
Et le texte qui fait allusion à ça dit, et il reprend en disant l'esprit est le précurseur de toute chose, et si l'esprit est non vertueux, la souffrance en fait s'ensuit, ou la souffrance en découle. Sous-entendu, tout ce qui sera entrepris sous l'emprise d'un état d'esprit non vertueux, qu'il s'agisse toujours pareil, donc de parler, d'agir, de faire n'importe quelle activité, de travailler n'importe quoi, tout cela sera teinté ou coloré en fait de façon non vertueuse aussi, et sera donc source ou à l'origine donc de souffrance ou de difficulté. Parce qu'en fait, si l'on regarde bien, tout ce que l'on fait, qu'il s'agisse donc de manger, de se lever, de s'asseoir, de parler, d'agir, enfin quoi que ce soit, de penser, tout provient en fait de notre esprit. Initialement, on l'a pensé, en fait, initialement, on l'a voulu, ça part en fait d'une intention, donc initialement. Alors, Geshe-la, peut-il nous donner les références des ouvrages cités ce matin concernant les études faites sur les recherches scientifiques et les témoignages? Alors, la personne en l'occurrence, c'était le docteur Moody, en fait, M2ODY. Alors, je suis incapable de vous traduire le deuxième titre, je ne me rappelle plus de sa version anglaise, mais le premier, c'est Life After Life, je crois que c'est. La vie après la vie. Il est traduit en français ? Oui. Ah ben voilà, oui, La vie après la vie. Et le deuxième, ça vous dit quelque chose ? Il n'y a pas eu un livre qui s'appelait La Source Noire qui parlait de ça aussi ? Ça, ça remonte à. C'était 70, La vie après la vie. Et bien voilà, c'est ça. 70, mais. La source noire est peut-être plus récente. De toute façon, si vous retrouvez déjà Dr. Moody, 1970, La vie après la vie, vous trouverez le deuxième qu'il a écrit dans le registre. Enfin, je pense que ce sera plus facile à trouver après. Est-ce que certains d'entre vous aviez entendu parler déjà de ce Dr. Moody ? Oui, il était très connu il y a 30 ans. Il existe des films, ouais. Des contes qu'on a cachés, TEPS. Et donc ça, vous ne m'enlèverez pas ça de l'idée que ça montre quand même que nécessairement la conscience et le cerveau, ça ne peut pas être une seule et même chose quand même. Parce que c'est clair, il y a des gens, et de plus en plus, enfin en tout cas qui osent le dire, qui ont des souvenirs en fait de leur existence passée. Et c'est par excellence pour moi un argument en fait qui rend irrecevable donc le fait que la conscience donc et le cerveau donc ne soient qu'une seule et même chose. Parce que tout simplement, comme je disais, à partir du moment où il n'y a plus de cerveau, une fois par exemple que la personne a été incinérée, alors comment se fait-il que la conscience continue si elle fait un avec le cerveau ? Mmh.
Parce que donc là, je parle effectivement pour la vie ultérieure, mais sous-entendu, si on considère donc que la conscience et le cerveau ne font qu'une seule et même chose, pas davantage qu'il n'y a eu en fait d'existence passée, il ne pourrait y avoir d'existence future. Donc en fait, c'est un déni complet en fait du principe des renaissances. Et donc de ce fait, en fait, nos agissements n'auraient plus la moindre incidence finalement. Peu importe qu'on agisse de façon positive ou non, enfin vertueuse ou non vertueuse, puisque finalement on ne ferait pas l'expérience de ces des résultats de nos actions. Et en fait, finalement, ce ne serait pas si mal. Il suffirait juste de ne pas se faire choper par la police une fois qu'on a fait quelque chose de répréhensible, et puis on serait tranquille, puisqu'on n'aurait pas fait l'expérience de notre karma. C'est ça qu'il faudrait craindre le plus à ce moment-là, c'est tout, quoi. Après la suite de la question, je n'ai pas compris. Comment naît et meurt une émanation? C'est quoi que vous entendez par une émanation? Qu'est-ce que tu entends par une émanation? C'était ma question. Alors, la question c'était comment naît et meurt une émanation? Son continuum de conscience possède-t-il un karma différent de la source qui lui a donné naissance? Donc, comment naît une émanation? En fait, elle naît, ça fait partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, des naissances miraculeuses. C'est-à-dire qu'une émanation naît de la simple volonté, en fait, du simple souhait de l'être qui est en mesure, justement, d'émaner, de manifester plusieurs émanations. C'est le cas, donc, notamment, effectivement, des bodhisattvas. Qui peuvent donc émaner différentes manifestations ou manifester différentes émanations donc dans différents lieux, différents endroits. Et ce qui me fait dire en fait que le continuum donc de conscience est le même pour la base d'émanation, c'est-à-dire ce qui est émané et ce qui est émané donc des différentes manifestations, émanations, c'est que il est dit notamment que un bodhisattva
bas donc, de la dixième terre, qui est sur le point donc, de parvenir à la bouddhéité, qui est dans les derniers instants, éventuellement même qui précède la bouddhéité, est un bodhisattva qui est en mesure d'émaner des centaines de milliers de manifestations différentes simultanément. En fait. Et il est dit que dès lors que ce bodhisattva donc, parvient à la bouddhéité, ces centaines de milliers d'émanations parviennent simultanément à la bouddhéité. Ce qui me fait dire en fait, qu'il ne s'agit dans ce cas-là que d'un seul et même continuum mental, puisqu'il s'agit de l'émanation, de la manifestation d'un seul et même être, en fait. Et donc la suite de la question, c'était cette émanation crée-t-elle du karma ? Son continuum de conscience, mais ça c'est la même chose, non ? Est-il identique à sa source ? Donc ça c'est pareil. Et à la mort de cette émanation, que se passe-t-il ? Est-ce qu'elle se réincarne ou non ? Alors, Alors, ces émanations, donc bien sûr, accumulent des karmas. Ces émanations, donc, parce que là, on se situe donc dans le contexte de ce que répond Geshe-la, c'est dans le cadre donc d'un bodhisattva, donc qui a des aptitudes et qui est en mesure donc d'émaner plusieurs manifestations, plusieurs manifestations. Et ces différentes manifestations, donc. Qui ont le même continuum mental donc, que le bodhisattva qui est à l'origine de ces émanations, donc accumulent du karma, accumulent un karma donc, ici non contaminé, donc là où on se situe, en fait, de la réponse. Donc il n'y a pas de mort de ces émanations. En fait, ces émanations, de la même façon qu'elles ont été émanées, en fait, telles que vous l'indiquez, elles sont résorbées, en fait. Elles sont dissoutes, en fait, dans l'esprit du bodhisattva qui les a émanées, en fait. Vous inquiétez pas, les émanations ça meurt pas. Vous inquiétez pas de ça. C'est pas pour ça. Et donc la dernière question que j'ai ici, c'est pour réaliser la claire lumière, il faut déjà avoir un bon niveau. Est-il possible de réaliser le POA, c'est-à-dire dans le transfert de conscience, sans avoir réalisé la vacuité, et est-ce facile ? Non. Ou est-ce plus facile, peut-être ? Ah, pardon, je n'ai pas compris. Est-ce plus facile ? Ça doit être ça. Et donc vous contrastez réaliser la claire lumière qui semble difficile avec réaliser la vacuité, c'est ça ? Jayela ou connaître Munzin Chela, Molen Chela, Molen Mare,
Munzin Cheila, Wussel, Wussel, Kanati, Munzin Cheila, Kaleka Wusheta Dua. Wussel, Nansu Kanetanta di Chi Wussel, Chi Wussel, Yuroa, Semki Wussel, Chi Wussel, Chi Wussel, Kanet Munzin Cheila, et la Puchi Moroa. J'ai son mot Kandi Shugiri. Alors vous parlez pour la personne qui Oh, ça je pense, une personne qui a réalisé la vacuité, elle est déjà pas mal, enfin, elle est pas mal avancée quand même. Donc, je pense qu'elle ne doit pas avoir de difficultés tellement à faire un transfert de conscience. Oui, je pense. Je pense, dans la mesure où elle a réalisé la vacuité, elle l'a, enfin, pas mis à mal, mais elle a, oui, elle a affecté, en fait, elle a... Elle a affecté donc sa conception de l'existence en soi, de l'existence intrinsèque. Elle a oui, mis un terme donc à cette conception, cette saisie de l'existence intrinsèque. Et je pense que ce faisant, effectivement, elle est beaucoup plus en mesure donc de pratiquer le transfert de conscience. Par contre, si c'est la personne qui est en train de mourir, qui elle-même donc, a réalisé antérieurement la vacuité, cette compréhension et cette perception qu'elle a de la vacuité va lui permettre, donc, lorsqu'elle fait l'expérience, donc lorsqu'elle est activée, en fait, ensuite, cette claire lumière de la mort va lui permettre donc, de reconnaître cette claire lumière de la mort pour ce qu'elle est et donc... et donc lui permettre... Et une tétu sem tokiyoroa. Te la tenez sem potokiyoroa. Une étude qu'on est en train de dire, peu qui est celle, qu'on est togiroa. Une étude, j'ai pas guné, tonchi guné, qu'on est toni togiroa. Oui, tonchi guné. Tonchi guné. J'ai un peu au sel, tonchi guné. Oui, tonchi guné. J'ai un étude qu'on est chiné, qu'on est si oué au sel, qu'on est chatou de sampa, si oué au sel dit, qu'on est toni mousson tout togiroa. Tonk maré. Une étude, tonk qui est celle. Tonni tonk maré, tonni mousson tenat de joroa. Quand c'est tira. Tu vois, je sais, comme ça, roa, tu vois, c'est comme ça. Non, pas tonni tonk qui est roa. Tonni.
Donc, lorsque la personne donc, qui est en train de mourir, donc, antérieurement, s'était adonnée donc, à la méditation donc, sur la vacuité et avait réalisé donc, obtenu donc, une réalisation inférentielle de la vacuité, c'est-à-dire avait une perception conceptuelle, c'est-à-dire via le biais d'une image générique, d'une image mentale donc, de la vacuité. Donc, lorsque cette personne meurt et fait l'expérience donc, de la claire lumière de la mort, à ce moment-là, elle réalise ce qu'on appelle la claire lumière de l'exemple, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'esprit actif, en fait, est l'esprit qui réalise la vacuité, mais toujours par le biais d'une image générique. Et on parle de cela comme la claire lumière de l'exemple. Cette claire lumière de l'exemple permet, en fait, et donc, en fait, qui est ici, non plus la claire lumière donc, de la base, comme on l'avait évoqué antérieurement. On avait parlé de la claire lumière de la base pour contraster avec ce qu'on entend par la claire lumière du chemin et la claire lumière du fruit, en fait, ensuite, ou du résultat. Et donc, le pratiquant qui s'est adonné donc, à la méditation sur la vacuité, qui a réalisé conceptuellement donc, la vacuité au moment de la mort, fait cette expérience de la claire lumière, qu'il reconnaît comme étant la vacuité, et à ce moment-là, réalise la claire lumière de l'exemple. Et cette claire lumière ici est ce qu'on appellera la claire lumière du chemin, dans ce cas-là, et non plus simplement de la base, en fait. Et cette claire lumière donc, du chemin est en mesure d'interrompre, en fait, d'empêcher, en fait, ou de ne plus induire en fait la naissance dans le bardo, donc le passage dans le bardo, donc interrompt littéralement l'état intermédiaire, et le pratiquant donc prendre de suite ce qu'on appelle un corps illusoire, donc ce qui est appelé le corps illusoire, donc impur dans un premier temps, etc. Donc le fait d'activer ainsi donc cette claire lumière donc du chemin donc va faire que la personne ne sera plus propulsée donc sous l'emprise de son karma et de ses perturbations vers l'état intermédiaire. Cela va interrompre en fait ou empêcher donc la survenue de cet état. Mm-hmm.
Et donc à la place de l'état intermédiaire, donc de de l'état intermédiaire, la personne développe ou prend ce qu'on appelle un corps illusoire. Tenez. Tenez du son. Est-ce que vous avez des questions résiduelles? Oui. Parlez juste dans le micro, s'il vous plaît. Oui, Geshe-la a parlé de des notions de soi impermanent selon la vue bouddhiste. Je voulais savoir au niveau de l'alaya de conscience, est-ce qu'il est présent dans la vacuité? J'ai pas compris, vous dites dans le quoi de conscience? Ce que vous appelez, l'alaya de conscience. La conscience base de tout, c'est ça? L'alaya vijnana, c'est ça, vous voulez dire? La conscience de base, universelle. je pense que en termes bouddhistes, ça s'appelle le continuum de conscience ou l'alaya de conscience? Est-ce que c'est différent? On va rester avec le courant de conscience, alors, si vous voulez bien. Parce que, ce qui est appelé l'alaya vijnana, c'est-à-dire la conscience base de tout, ça, c'est quelque chose de très particulier qu'une seule école, en fait, bouddhiste accepte, en fait. Donc c'est soit vous parlez de ça, soit alors vous parlez du courant de conscience, et c'est en général, c'est-à-dire la conscience, l'esprit. La conscience de le courant, le continuum de conscience, ça inclut. Moi, ce que je voulais parler, mettre derrière comme image, c'était la pure conscience, en fait. Voilà, la pure conscience. Est-ce que la pure conscience est encore présente dans l'état de vacuité? C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a ni forme, ni couleur, ni ceci, ni cela, mais est-ce qu'il y a cette pure conscience? Je suis un peu plus de temps.
ちゃんとたってからとにとにとぶろて。とにとぶろ。おてちゃんとてたらえたらからそうで。え、ちゃんからじゃ。え、じゃ。ニョメセン。ニョメセン。ニョメセン。ニョメセンで。ニョメセンで。レバーズよら。ちとぐいちれ。レイダイ。 時よりかんしにヨヨバレベスラ。あ、ヨヨヨアレザ。カレサムキヨレス。なとみだかやよまろわ。たたてらどげ。あ、かやべはまれよわれ。よわれ。かやべはまれ。たな、とはとかがよわろわ。とはとかがよわろわ。よべはたまれす。よわれす。あ、メンスやでかんすれ。ロシンジチュビテでメンスれまと、たメチにすげはまれ。 Je crois qu'il y a un premier ajustement à faire par rapport à ce que vous dites dans l'état de vacuité. Il n'y a ni forme, ni son, etc., ni conscience, etc. Il faut bien comprendre ce qui est dit par là. Ça ne veut pas dire que dans l'état de vacuité, il n'y a rien du tout, en fait. Toutes ces choses existent, en fait. Mais comment elles existent? Elles existent comme étant dénuées d'une existence en soi. C'est-à-dire que la forme existe dans la vacuité, la conscience existe, etc. Mais elles existent comme étant dénuées d'une existence en soi, d'une existence intrinsèque. Donc c'est ça qu'il faut entendre quand on dit il n'y a ni forme, ni son, ni nanana, ni conscience, sous-entendu, existant de leur propre côté. Ça. Mais il y a bel et bien des formes, des consciences, etc. qui existent. Donc ça, c'est un ajustement à faire. Et une deuxième chose également à préciser, c'est que quand on parle de cette notion de soi, donc de personne ou d'individu, en fait, dire, il y a un aspect en fait, du soi qui existe et il y a un aspect du soi qui n'existe pas. Donc, quand on parle d'un soi qui existe et d'un soi qui n'existe pas, le soi, il est évident qu'il existe, qu'il y a bien un soi qui existe, puisque la personne, l'individu, le soi est quelque chose qui agit, qui fait des actions, qui va faire des courses, qui va ici, qui va là. Sinon, alors, il n'y aurait strictement rien qui irait dans l'existence cyclique et il n'y aurait non plus rien à délivrer de l'existence cyclique. Et quand on dit par contre qu'il y a un aspect du soi ou de l'individu qui n'existe pas, alors c'est ça qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par là. En fait, c'est la manière dont on conçoit le soi ou la personne. Et comment est-ce qu'on conçoit ce soi ou cette personne qui existe? On le conçoit comme existant véritablement, comme existant de son propre côté. Et c'est ça qui n'existe pas. C'est-à-dire cet aspect du soi comme existant de son propre côté, comme existant intrinsèquement, qui n'existe pas. Donc l'objet, en fait, on dit littéralement référent, mais l'objet, en fait, de cette conception, de cette saisie donc, du soi, donc sous-entendu l'existence en soi, l'existence intrinsèque donc, de la personne ou de l'individu du soi, est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là où il y a une distorsion en fait entre ce qui apparaît à notre esprit et la manière dont les choses existent réellement. Donc une distorsion entre l'apparence et la réalité. En ce sens que le soi ou l'individu apparaît à notre esprit comme existant de son propre côté, comme existant intrinsèquement. Et donc c'est ainsi que nous le concevons, que nous saisissons cela ou que nous l'appréhendons. Et par contre, alors que le soi ou l'individu apparaît à notre esprit comme existant de manière intrinsèque, comme un existant de son propre côté, en fait, dans la réalité, il n'en est rien, il n'existe pas ainsi. Et donc, quand dans le Sutra du Cœur, par exemple, on dit « il n'y a ni forme, ni ceci, ni cela », ça veut dire, sous-entendu, il n'y a pas de forme telle qu'elle apparaît à notre esprit, sous-entendu encore, une forme existant de son propre côté. Non, 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 non,
Donc quand on dit il n'y a pas de forme sous-entendue telle qu'elle apparaît à notre esprit, c'est-à-dire comme existant véritablement, existant en soi, existant de par ses propres caractéristiques. Et ça, ça n'existe pas. Sinon, ce serait complètement idiot de dire il n'y a pas de forme. Tout le monde la voit, la forme. Donc ce serait complètement dénué, complètement ridicule de dire en fait qu'il n'y a pas de forme. Ça nierait en fait le sens commun, l'évidence. Et donc, on trouverait un petit peu bête que quelqu'un en fait s'acharne à dire mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son, etc. Alors tout le monde les entend, tout le monde les voit, etc. Et donc il y a souvent en fait une méprise en fait par rapport à ce point justement, et c'est important. Et donc si vous arrivez et vous me soutenez, il n'y a pas de forme, je vais vous dire c'est quoi ce bouquet de fleurs devant moi, alors c'est pas une forme. Et si vous me dites c'est pas des fleurs, je vais vous dire c'est quoi alors. C'est moi, je les vois, hein, et puis vous aussi je pense. Alors si vous me dites non, c'est pas des fleurs. En fait, c'est un raccourci de langage. Quand on dit il n'y a pas de fleurs, sous-entendu, il n'y a pas de fleurs qui existent de son propre côté, qui existent en soi. Parce que tout le monde viendrait effectivement défendre en fait le point que manifestement des fleurs il y en a, c'est bien quelque chose qui existe. Par contre, comment ça n'existe pas, c'est tel qu'on on le perçoit, tel que cela apparaît à notre esprit, c'est-à-dire comme existant en soi. Donc c'est ça le sens du sutra du cœur. Donc on va tranquillement s'arrêter là pour ce soir. Vous m'aviez demandé de vous parler de la renaissance, de l'état intermédiaire de la mort, donc je l'ai fait brièvement. Mais on n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas, voilà, de façon très étendue, c'était un aperçu. C'est un petit peu comme les peintres de Tanka, il y en a qui sont très habiles, qui font des dessins extrêmement fins, avec plein de précisions, de détails partout, puis il y en a qui font des choses un peu plus grossières. Bon, mais moi aujourd'hui c'est plus ce deuxième cas de figure en fait, c'est un tableau plus grossier qu'on a brossé. Mais mon idée plutôt en vous parlant de ça, c'est de vous amener vous-même à vous interroger en fait là-dessus, à chercher, à réfléchir, en fait à examiner un petit peu ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en pensez. Essayez de regarder en fait, on parle toujours de l'esprit, de la conscience, tous ces trucs-là en fait, et qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est la conscience, essayez de regarder un peu plus en profondeur. Et peut-être que vous finirez par conclure que c'est le cerveau finalement. Je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre indulgence pour mon discours. Mais en même temps, ça avait une bonne chose, il faisait mauvais dehors, il faisait froid, donc on était ensemble, il faisait chaud, c'était plutôt sympathique. Puis on n'a vraiment pas eu besoin de mettre le chauffage, là, pour le coup. Donc on va s'arrêter là. Lo palamache changat
Et Geshe-la, au nom de tous les étudiants ici présents, en fait, les étudiants m'ont chargé de vous passer un message. Donc, je vais vous lire l'essence de ce message qui est
est joliment calligraphié sur cette feuille que je vais vous donner par Pascal. Et donc il dit « Ô précieux et compatissant Lama, nous vous prions de tourner encore pour nous, vite, très vite, la merveilleuse roue du Dharma qui libère l'infinité des êtres. » Et donc, nous tous ici présents, et nous voulons vous remercier vraiment du fond du cœur. Et pour ces enseignements que vous nous avez donnés ce week-end. Et puis pour tout ce que vous faites pour nous tout le temps, et en restant ici près de nous, en nous donnant des conseils, en nous inspirant par votre présence. Et donc, s'il vous plaît, Geshe-la, restez très très longtemps parmi nous et s'il vous plaît, continuez à nous enseigner et jusqu'à l'éveil. Voilà, je vous laisse calligraphie. Aujourd'hui, vous m'avez redemandé, donc j'ai bien voulu venir vous enseigner, mais comme vous le voyez, j'ai quand même pris de l'âge, j'entends vraiment plus très bien, je me rappelle plus de beaucoup de choses, comme vous l'avez vu. Mais je suis ceci dit, en même temps, je suis très touchée et je suis très heureux en fait d'avoir pu vous retrouver et de vous voir. Donc, je vous en remercie. Vous me demandez de rester longtemps. Pour ce qui est de partir, je vous rassure, je suis pas pressée du tout. En fait, c'est mon souhait aussi de rester encore longtemps. Rappelez-vous ce que je vous disais hier. Hein, je vous parle moi de l'impermanence mal intérieure. Ce que je nourris, c'est la saisie de la permanence. Hein, quand même, il n'y a pas de doute. Mais j'ai été touchée par ce que vous me dites et je vous en remercie. Page 91, s'il vous plaît. Thank you.
Svati. Om Svati. O changi je wa do je ni pe ganda we ji che no zo ge pe no se ji ganda ze pe de ge cha me ge la pe la me ge le zo lo che ya wa ya zo san we zo Thank you.
Good, right.